Arthur. Yo, salut à tous, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, on se retrouve ce soir pour la suite de nos aventures sur Red Dead Redemption 2. Et on va poursuivre notre vie de cowboy, pas solitaire du tout. Donc j'espère que vous allez bien, Genki Kai comme on dit. Et on est parti les amis. Salut Sklaken, salut Nemo, comment allez-vous? Qu'est-ce qui t'arrive révérend? We've all done it. And you saved my life again. Well, maybe one day you'll save mine. Or my soul. Yeah, I'd like that. Don't make fun of me. Oh, I'm sorry. Anyway, it wasn't a complete waste of time. I stole this from one of those awful men. You should have it. Oh. Merci, l'ami. Thank you, but you were blind drunk. I was drunk, but I never forget my manners. Be well, Mr. Morgan. Ah, au plaisir, révérend. You gonna join us, Arthur? Hey! My lady. Bonne neuf, Karen. Allez, on va aller se prendre un petit repas du matin, les amis, un bon café avant de démarrer. You're getting crazy, Dutch. Is that what you believe? I don't know, son. I don't know what I believe. Le petit café du matin, les amis. Il va falloir qu'on passe à Valentine en racheter, j'imagine. On va regarder ce qu'il me reste comme café. Un bon café chaud. Salut John. Ok. How are you? Hello. Salutations, Guylaine. Comment vas-tu? All good, Arthur? I think so. Tranquille, hey. Tranquille. Good morning. Mr. Matthews. On a l'air bien abattu ce matin, les amis. Après ce bon café, les amis, je vais partir en chasse. Il va falloir ramener un peu de nourriture. Ça va commencer à être difficile, sinon dans le camp. Oui, Kraken. Hi there. Allez, à la prochaine, les gars. Bonne journée à vous, madame. On est parti, les gars, tranquille. Eh ben, ça va fort bien, Guylain, tranquille. Bien content de me retrouver à nouveau plongé au cœur de cette aventure magique. On va aller chercher Cochise. Et on va partir en chasse, je pense, tranquillement, les gars. On va peut-être aussi faire un crochet par... on a encore quelques quêtes. On va peut-être aller chercher... à notre ami. Ok. Oh, Cochise. Alors, voyons où ça se trouve. Si on voulait aller voir notre ami Mika. Lui qui s'est fait apparemment... enfermé. Donc là, on doit aller voir notre amie Mary, voir ce qu'elle peut bien nous vouloir. Ok. Alors, Mika, il doit être ici. Ok. On va peut-être aller voir Mika, du coup.
On a Ravière également. Ah, il faut aller libérer Sean également. Alors, on va peut-être aller libérer Mika avant. Et puis après, on ira peut-être voir Ravière pour libérer Sean. Une chose à la fois, les amis, comme toujours. Allez, on y va. Merci, Biedan. Bah, je prends beaucoup de plaisir, oui, sur ce jeu, c'est clair. Allez, Cochise, ma fidèle monture. Allons-y. On chassera certainement en route, les gars, pour pouvoir trouver de quoi se substanter. Et qui sait, les amis, on aura peut-être la chance de tomber sur quelques ossements de dinosaures. Ça pourra toujours nous faire gagner un peu d'or, peut-être. Et on est parti, les amis. Sûrement, mais doucement. Je me demande dans quel pétrin c'est encore fourré Mika. C'est déjà pas une lumière, ce gars, mais en plus, maintenant, voilà qu'il se fait serrer par le shérif. Bon. J'espère qu'on va pouvoir le sortir de là facilement. Allez, Cochise! En à peine quelques heures, ne t'inquiète pas, mon ami. Profitons pendant ce temps-là du paysage, les amis. C'est tellement magnifique, ce jeu. Il y a tellement de choses à faire. Regardez ça. Salutations, Dilas. Comment vas-tu? Hey, stop right where you are. Take another step and you'll have a bullet in your gut. Basta. Allez, Cochise. Yo. Bon. Lève-la derrière. Allez, Cochise. Ya. Ya, ya, ya. Qu'on est mort, les gars. Je l'avais pas vu arriver, celle-ci. Ah, la première mort de la soirée, les amis, comme d'habitude. Ah, ce n'est pas grave, les amis. Bon. Il en fallait bien une, comme tous les soirs, j'ai envie de dire. Il faut apprendre de ses morts comme de ses erreurs, les amis. Il n'y a point d'inquiétude avec cela. Ok, boy. Ça, c'est pas mon cheval, les gars. Alors, ça voudrait dire que Cochise est morte? Non. Cochise doit être de retour au champ, au camp peut-être. On va retourner au camp, les gars. On va aller voir si Cochise est là. Je ne sais pas, c'est une possibilité, l'ami. J'aurais dû être plus vigilant. Je n'ai pas été suffisamment vigilant, qu'est-ce que tu veux?
Fallait bien que cela arrive un jour. On ne peut pas descendre par ici. On va retourner voir au camp, les amis. Et on verra bien. J'aurais pas dû essayer de fuir, j'aurais dû... Ah, je pense que c'est définitif, comme tu le dis. On va aller voir au camp, quand même. On va bien voir ce qui se passe. Si elle est morte, ils paieront pour cela. C'est de ma faute, les amis. J'aurais mieux fait de ne pas fuir et j'aurais mieux fait de les affronter comme un homme. Que voulez-vous ? Dans ce genre de situation, on ne prend pas toujours la décision la meilleure. Yeah. Hey John. On sera bientôt fixés les amis. Bon. C'est la vie, que voulez-vous, si Cochise n'est plus, elle n'est plus. J'aurais dû en prendre plus soin. Ah, j'ai bien peur qu'elle ne soit effectivement plus de ce monde, les amis. Bon. C'est la vie, que voulez-vous. Et il va nous falloir acheter un cheval, du coup, les gars. Maggie. Je vais même pas prendre les chevaux qui ne sont pas à moi. Bon. On va passer voir à Valentine, du coup. On va passer voir s'il n'y a pas une nouvelle bête à vendre. Celui-ci est bien, mais bon. Ce n'est pas mon cheval. Allez, boy, on y va. On va faire un crochet par Valentine. Avant de monter... libérer Mika. Je ne me vois pas partir sur une monture qui ne sera pas la mienne. Et la prochaine fois qu'on croisera ces hommes, on aura notre vengeance, effectivement. La mort de Cochise ne restera pas impunie. Pas très longtemps, en tout cas. C'est la vie de tout cow-boy, les amis. On perd un ami, on en gagne un autre. La vie était rude en ces temps. Il était fréquent de perdre un cheval ou un frère d'armes. Look at what we snagged! Dutchie's dog's body! I told you he'd show! Whoa. Damn it! Voilà. Bon, bah deux morts d'affilée, les gars. Allez, on est comme les faux hommes, les amis. On fait une ellipse, une coupure, et vous, finalement, vous n'avez rien vu.
Et on repart comme si de rien n'était, je suis le meilleur joueur du monde. Ah là là, que voulez-vous, c'est comme ça. On a perdu de l'or. Bon. Salut Jack Lyon. Allez, on est un faux homme. Bonsoir les amis, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, on se retrouve ce soir, on démarre cette nouvelle aventure ce soir. Ah là là, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Là, on va faire ça sérieusement les gars. Il fait un peu chaud, mais je me concentre. Allez, on y va. On va aller vers Valentine, les amis, comme prévu. On y va. Mais c'est tellement facile, les amis. C'est tellement facile de faire ça. On va se préparer, par contre. Je ne sais pas pourquoi, mais ils m'en veulent. Alors, on va se préparer, les gars. Oui, mais je ne sais plus comment on utilise le sang-froid, les amis. R3, c'est vrai, quand je vise. Merci, Miedan, de me le rappeler. C'est une mécanique de jeu que je ne connais pas, puisque je ne joue pas ni à GTA 5, ni le plus précédent. Donc, je n'ai pas ce réflexe, les amis. Mais c'est vrai que là, ça m'aurait fortement aidé. Allez, tranquille. On va essayer cette fois-ci de ne pas se faire surprendre. J'avoue que la visée comme ça, elle est quand même pas facile, hein. Ça aurait été un début de live finalement assez peu productif. Mais en même temps, il n'en est pas moins amusant et c'est le principal. Allons voir les gars. Alors, if you want me to keep that overnight, there's room in the stable. Normalement, nous n'avons pas de cheval, si ce n'est celui-ci qui vient de nous être confié, les amis. Alors, voyons ça. Celui-ci est pas mal, mais c'est un maniement course, ce qui me fait un peu peur, peut-être. Il est très rapide et il a une bonne accélération, mais bon. Ok. Celui-ci est d'un maniement standard. Je n'ai pas encore bien compris la différence finalement entre le maniement standard et le maniement Urus. Si ce n'est l'énergie. Ils ont moins d'énergie et moins de résistance. Ils sont simplement plus rapides. Je suis pas riche, eh non, que veux-tu? We got really fair prices on horses. Voulant dire sans chaud, oui, mais celui-ci il est un peu cher. Je pense qu'on va prendre le standard, les amis. Un demi-sang hongrois. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un superbe étalon de course qui va être mort tout de suite. Je préfère un cheval qui a plus d'endurance et moins de vitesse. Ouais, ça me semble pas mal. On n'a pas beaucoup d'argent, les gars, mais il faut en passer par là, que voulez-vous. Good and a scrap. Et nous allons l'appeler bien évidemment Cochise, en souvenir de notre ami décédé. Parce que tous mes chevaux s'appelleront Cochise de toute façon. You're Allez, mon ami. Be happy with that horse. J'en suis très content, l'ami, c'est parfait.
Et du coup, on va vendre le Tennessee Walker. Pour 3 dollars. Allez, go. Oh, ma belle. Salut, Lil Fix. Ah, ma fifille. Belle fifille, ça. Bon, les amis, ça y est, on est parti. Maintenant qu'on a Cochise qui est de retour, nous sommes partis, nous allons aller aider Mika. Ici. Ok. Allons-y. Il ne manque pas d'une certaine allure, effectivement. Gris poil. Allons-y. Allez, ma belle, on y va. On est parti, les gars. Hey. On va aller voir dans quel pétrin Mika s'est fourré. En essayant de ne pas se faire rattraper par ces maudits bandits de grand chemin. C'est certainement des Audrey Skull d'ailleurs. J'ai même pas eu le temps de voir finalement. Avec tout ça, on a perdu pas mal de temps et la matinée est déjà bien entamée. On arrivera finalement, certainement, au milieu de journée seulement, pour aller rencontrer Mika. C'est pas plus mal, on aura peut-être une chambre d'hôtel à prendre, du coup, là-bas, directement. Yeah. Oh. Easy. Tranquille. Salutations, Dim, comment vas-tu? Allez, ma belle. Je les avais pas vu venir, ces attaques, que voulez-vous? Et je n'ai pas le réflexe de la superviser. J'ai pas encore de vêtements qui me plaisent suffisamment pour changer, les amis. Je tente de pouvoir en acheter, mais c'est pas grave, on fera quelques missions de chasse, tout un tas de choses. On a tellement de temps dans ce jeu que finalement... Presque on pourrait arrêter de faire les missions principales et rester quelques semaines comme ça juste à déambuler dans cette map magnifique. À remplir quelques quêtes secondaires, aller prendre un verre au salon. Qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est des Audrey Skull, ils sont en train de buter les gens ou quoi? Ils ont dévalisé les pauvres gars, quoi. Non, mais regardez-moi ça. Je parie que c'est encore moi qui vais me faire accuser, en plus. C'était qui, le pauvre bougre? Oh! Un homme de loi, en plus. C'était un homme de loi, les amis.
Certainement qu'ils ont fait évader l'un de leurs compadres. Bon. Ah là là, les amis. On a mangé un morceau, c'est bon. Hello. Hello. Mister. Hey. En ce moment, c'est ce que tu fais, Nimo. Tu fais que peu de missions, mais beaucoup de découvertes et de chasses. J'en ferai un peu. Je vais avancer un petit peu l'histoire pour voir un peu les interactions avec les personnages. Enfin, déjà, retrouver Mika et puis Ravière, quand même. Au moins, les récupérer au camp. Et puis après, je pense qu'on partira faire plus de sessions de chasse, s'immerger un peu plus dans la nature, voir comment on appréhende la chasse d'un peu tous les types d'animaux sauvages. Sera quelque chose dans ce goût-là. Donc pour l'instant, mes chasses ont été fructueuses, hein, mais n'ont pas été très très bien menées, j'ai envie de dire. Voilà. Et j'ai envie de faire de meilleures chasses. Moins faire souffrir les animaux, etc. Regardez comment c'est joli. Et on cherche toujours, hein, si vous vous souvenez, de la carte, hein, le double pic rocheux, les gars. Bien évidemment, hein, si on trouve ce double pic rocheux quelque part, on aura peut-être trouvé une partie du trésor. Je ne l'ai pas oublié, bien sûr. J'ai pas encore la mission de la pêche, non? Je ne sais pas où on l'a, on verra ça. J'aimerais bien pouvoir pêcher, mais je ne sais pas encore comment pratiquer. C'est quand même impressionnant, les amis, le nombre, là. Je ne sais pas quelle quantité d'heures ils ont passé à modéliser toute cette map. Et c'est un truc de dingue. Au-delà du moteur capable d'afficher... Qu'est-ce que c'est, ça, encore? Ça va? Au-delà, je disais, du moteur capable d'afficher autant de choses sans aucun temps de chargement. On a aussi toute cette map qui a été créée, j'imagine, à la main. C'est quand même un effet... Je n'ai pas encore vu toute la map, j'imagine. Yep. Allez, cochise, c'est bien, ma belle. Hey, hey mister. Je pense que nous serons bientôt arrivés. Où est-ce que t'es, l'ami? Qu'est-ce qui t'arrive? I'm in bad sorts here. I took a little jolt and I'm managed to get myself hopelessly lost. I'm staying in Strawberry. If you could just guide me back. Sure, l'ami. Can't think of a good reason to say no. Oh, thank you, sir. Shall I hop up there on the back with you? Yes. Your legs work, don't they? Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. Comment on fait pour qu'il monte, les gars? What are you doing out here anyway? This clearly ain't your natural habitat. Alors, c'est où la ville? La Strawberry. Ah bah c'est juste à côté du coup. Justement, on y allait. Allez bien l'ami,
C'est par là. No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually. D'accord. You don't say. Oh yes, there was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it, Dan? It's a town of splinters. If you could call it much of a town at all, I'd hardly step okay. off the carriage and I'd taken in the whole place. I suppose some might call it charming. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. And meanwhile, you have this mayor, a quite intolerable blowhard. A little bespoke woodwork and he thinks this is a cultural hub? The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here after all, more fool me. Now I'm tromping through the leaves in the muck with some cowboy. No offense. Little taken. Pas d'offense, l'ami, mais qu'est-ce que tu parles, c'est infernal. On est presque arrivé, la ville est là-bas, mon frère. Je pense que je pourrais pas refaire le jeu voilà, facilement une fois terminé. C'est pour ça que je prendrai le temps aussi hein, de visiter. On est presque arrivé, l'ami. Et t'inquiète pas, on y retournera au camp de Lucheron. T'inquiète, on a le temps. Eh ben, y a du monde par ici. Regardez ça, le nombre de chariots là qui circulent. Fais gaffe, l'ami. Hein. Je veux pas te faire écraser par un cheval. Normalement, le cheval là, se cabrera pour t'éviter, mais pas le chariot. Il restera sur sa voie, l'ami. Regardez le petit écureuil qui marche tranquillement à côté de nous. On y va tranquille, les amis. Que ce pauvre bougre puisse nous suivre. Après tout, on ne l'a pas pris sur notre cheval, donc... On va le mener à bon port quand même. On approche, mon gars. Allez, c'est par là. Salutations, Aurélia. J'ai changé de cheval, mon ami, écoute. C'est vrai? Allez, je t'accompagne jusqu'à la ville. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. Malheureusement, nous avons connu quelques morts. Aurélia, Cochise est morte et j'ai dû acheter un nouveau Cochise. Bonne fille, ça. Allez, à plus, mon gars. Regardez comment c'est beau ici, là, avec cette petite rivière, là. New Yorkers. Jesus. Exactement, Arthur. C'est beau, hein. On est arrivé, les gars. Ah, la pauvre, d'ailleurs, Aurélia. C'était une demoiselle, hein. Voyons. Good girl. Ouais, on a racheté une bonne fille, du coup. I won't complain about New York again, let me tell you. Strawberry. Ça doit être ici que se trouve Mika. On va aller voir ça, les gars. On va éviter de se faire remarquer tant qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. Tranquille. On a un magasin par là-bas, j'ai l'impression. On va aller voir pour reprendre un peu de café. Un riff bois, mais déjà modé en quelque sorte. C'est ça, Niemen. C'est ça. On va aller faire un petit tour au magasin, les gars. Reste là, Cochise. Tranquille. Bonne fille, ça. Tranquille, ma belle. Yeah, you're all right, girl. On va regarder ce qu'il nous reste comme café, les gars.
peut-être manger un morceau aussi. Si on a encore de la viande de prête. On a encore 4 de café, on peut en racheter un. J'ai plus de nourriture de prête là. Ah, j'ai du bœuf salé. On va manger un morceau, les gars. Parce que la route, ça m'a donné faim quand même. Salut, samouraï. Comment vas-tu? Eh, t'as bien vu qu'elle avait pas de bouboule. Peut-être qu'il faisait froid et qu'on les voyait pas. Hein. How you doing, friend? Hey, man. Pockets are feeling pretty heavy. That's good. Ça va, l'ami? Hi there, mister. Hey there. Bon. On va escalader l'entrée de la boutique, les gars, là. Ah. Excuse me. Hey, careful now. You up from the east, sir? You need anything, let me know. Hey, man. I know it's a lot, but I really do have everything you need. J'ai besoin de café, l'ami. Tu dois bien avoir ça quelque part. On peut peut-être prendre aussi un peu de des petits points en conserve. Ça peut être sympa. Ça redonne un peu de noyau de cœur, c'est pas mal. On va en acheter une comme ça. On va prendre des haricots à la tomate aussi, on va regarder. Ouais, c'est pas mal ça. Il me reste $50 les gars, bon. Ok. On est déjà plein. Alors, du café. La pommade pour cheveux. Ok. C'est quoi ça? Some fella came by earlier babbling that he had found the remains of a giant north of here. Not sure what he was going on about. Crazy old fool. Des crackers, des biscuits. Non. On va le te demander directement alors, mon gars. Tu peux acheter une montre et on peut la consulter à tout moment. C'est cool ça. Ah, chasse et pêche, les amis. Est-ce qu'il va avoir du café? C'est pas sûr. Avec le tabac, peut-être? Non. Tout ça, c'est épuisé. Je pense qu'il n'aura pas de café, les gars. Let me know if you have any questions about anything. Ah, café. Bien. Business done. On est bon, l'ami. À la prochaine. Ciao. Would you like anything else? C'est bon, l'ami, c'est ce que je voulais. Je crois que la nuit est en train de tomber, les gars. Bon, il n'y a plus qu'à 3 Mika maintenant. Il doit être à la prison, puisqu'il a été chopé par les fédéraux. On y va. Salut Rudy, comment vas-tu? Est-ce que le shérif est encore là à cette heure-là? Je ne sais pas. On achètera la montre quand j'aurai un peu plus d'argent, les amis. Le shérif est encore là. On y va.
Yeah. Hello, salut, sir. Les gars. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Ok, messieurs. Ok. J'insiste pas, les gars. Thank you, Sheriff. Merci, shérif. Je crois que c'est pas la bonne approche. Allons voir ça de plus près, les gars. Ferme-la, ferme-la, Mika. Qu'est-ce que tu fous là? Ferme-la. Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. You got any dynamite? Bah non, j'ai pas de dynamite, mon gars. Bon, bah reste tranquille pour l'instant, hein. Le jour se lève, bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Un truc de débardage. Juste à côté de la fenêtre. Ah, ça pue, ça, les gars. Ça pue, les gars. Hey, cochise. Je le sens mal, les gars. Bah la tête fendue. Bah la tête fendue. On recharge, les gars. Bon. On va débloquer quelque chose de sympa à la fin. Je ne sais pas, mais là ça pue la merde. Reste pas là, cochise. Je sens qu'on va faire une connerie. Je sens qu'on va encore mourir, les gars. Yes. Hook that over the bars. See if you can pull them off. Je suis d'accord avec toi, Aurélia. Je sens que ça va merder tout ça. What a modern disaster this is going. Ça sent la catastrophe, je crois. Come on. Ah, attends, viens là, cochise. Reste pas là, mon ami. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Ah, pourquoi je peux pas monter dessus? Allez, viens là, cochise. Allez, viens. On va aller te mettre à l'abri, je sens que ça va mal tourner tout ça. Bah, je suis pas parti, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Ah ouais, non mais c'est scripté quoi l'émission. Je voulais pas m'en aller, je veux juste mettre cochise à l'abri quoi.
Ah ben voilà, on a trouvé un reproche à faire. Hey, merci Raon. On a trouvé un reproche à faire au jeu, les gars. Ça en est un. Il en fallait bien un. On en a un. Parce que là, dès qu'on est sur une mission, on peut vraiment rien faire du tout, quoi. On peut même pas reculer de 50 mètres. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Allez, go. Come on. Eh, du coup, j'ai pas mon flingue. Allez, on y va. On va voir ce qui va se passer, les gars. Oui, ça m'était arrivé avec la mission du révérend. Exactement. Mission, on ne peut pas sortir du script. Effectivement, il faut rester dans la zone. Mais là, la zone, elle est vraiment petite, quoi. Je voulais simplement éloigner Cochise de 50 mètres, quoi, là-bas, au niveau du pont, quoi. On a vraiment, sur la mission, on n'a vraiment aucune latitude, hein. Par contre, c'est vraiment... Wow. Ah, ça pue la connerie là. Ah, ça pue la connerie ça. Let's get out of here. Come on. Ah. Où est-ce que tu vas encore là? Qu'est-ce que tu fais comme connerie là? Eh ben on va battre toute la ville quand même, mon gars. Mais non, qu'est-ce que tu fous là? Lâche-moi ce coup là. Allez! Attention Mika, il y en a un autre. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con là?
C'est bon. Waouh. On va buter tout le village, ouais. Et j'ai même pas fouillé quelqu'un, quoi. Qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans? On peut pas monter, d'accord. Wow, qu'est-ce qu'il fout là-dedans là? Ouais, je préfère pas savoir. Ah, ils avaient tes flingues, ok. Eh ben, quel massacre, les amis! On est recherché mort ou vif. Super! On va déjà se cacher, les gars. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fout, Mika? Mais t'es complètement fou, mon gars. On est en train de se faire défoncer. Non, Mika, il est mort, mais il a foncé comme un dingue. Qu'est-ce que j'y peux s'il se prend une balle, là? C'est une blague. Qu'est-ce que j'y peux, le mec, quoi? Ah mais le shérif aussi, t'es un dingue toi. Qu'est-ce qu'il faut flinguer là? Ok, il y en a encore là? Ok, à cheval. Ah, j'attends quoi? Hey, t'es un dingue toi? C'est la nuit, mon gars, on voit que dalle. Putain, quel bazar! On est bon là ou pas, les gars? Wow. Autorité à votre recherche. Super. Un peu que je suis avec mon flingue. Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Wow. Yeah. Salutations à tous ceux qui viennent d'arriver, les amis. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he
he hadn't found us in time. Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, wow. You're lucky Dutch has got you. Regardez ça, l'orage, les amis. Wow, c'est le premier orage du jeu qu'on a dans l'aventure, les amis. Wow. I think we finally lost him. Well, I hope so. J'espère qu'on les a semés, les gars. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all strong? Well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes... brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp, run back a strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. So you ain't heading back to Dutch? Oh, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Wow. Bye now. Yeah. Allez, bye, Mika. Wow. Tout ça pour ça, les gars. Alors, on a chopé un holster, pas mal. On regardera ça une fois qu'on sera de retour au camp, les gars. C'était un carnage, on a exterminé la moitié de la ville. Waouh, je crois que je suis pas le bienvenu à Strawberry pendant quelques temps. Waouh. Ça va bien la mouche, bah c'est cool. Du coup, on est tout rouge, là. Je crois que la ville, elle est... on a $275 de prime. Waouh, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est raisonnable avec tout ce qu'on a tué. Je crois qu'on va éviter de venir par ici pendant quelques temps. Ah d'accord, on a une prime dans tout l'état rouge, en fait, c'est ça. Donc sur la ville, mais peut-être que si on passe la bannière rouge ici, on est en danger d'être chopé par les autorités, peut-être. Ok. On va rentrer au camp, les gars. Parce que là, il faut que je me repose un peu. On regardera les flingues après, ouais. Enfin, quoi qu'on peut jeter un œil. Ah oui, on a deux flingues maintenant. Waouh, un tir double. Ok. Et il faut que je refasse des cartouches, les gars, j'en ai plus. J'ai plus de balles fendues, il va falloir qu'on en refasse. J'en ai plus pour le fusil non plus avec tout ça. Ok, ok. Bon. Allez, on va pas faire un camp ici, les gars, parce que je me sens pas en sécurité. Par contre, merci pour le rappel de la fonction L3, d'avoir ce ralentissement du temps, là, je ne sais plus comment vous l'appelez. Vaut mieux éviter de fouiller les cadavres pendant la mission, tu m'étonnes. J'avais pas vu ton commentaire, Niedan. Ah bah là, j'en ai buté une paire, hein. C'est vrai que le système de ralentissement du temps, il est pas mal. Quand on est en difficulté comme ça, il est pas mal, ouais. Whoa. Easy. Dead eyes. Ok. Par contre, je pars pas dans la bonne direction, là, les gars. Ouais, pas du tout. Il faut qu'on monte plein nord sur la route. Ok. Et avec le 100 francs, on peut sélectionner les points. Yep.
doucement, ma belle. Tu es coincé dans l'arbre. On va prendre la route, les gars, mais on va pas traîner. Donc, j'allais me prendre un petit café au camp et manger un morceau là parce que j'en ai vraiment besoin. Et un nouveau jour se lève, les gars. Eh ben, on a défouraillé ce soir. Ouh. Après nos deux premières morts, c'est pas mal. Je prends le temps quand même de regarder aux alentours si j'aperçois pas mon rocher à deux pics. Un jour, on finira par le trouver, les gars. Par là. Souffle un peu, ma belle. Good girl. Lily, Mary. On est plus très loin, les gars. Il était temps. Je me demande si je dois payer la prime ou si elle s'estompe au bout d'un moment toute seule. Morning. Morning. C'est moi, l'ami, c'est moi. Ah, je suis vivant, mais ça n'a pas été sans problématique, hein. Je te raconte pas, Lenny. Travail, l'ami. Belle fifi, ça. There we go. Belle fifi. Allez, mange un morceau, mon ami. Mange un morceau, ma belle. Ça va te faire du bien, ça. T'as besoin de décompresser, moi aussi. Alors, les amis, qu'est-ce que vous m'avez raconté de beau? J'ai pas d'argent pour acheter un autre revolver pour l'instant, effectivement. Oui, je sais que ça correspond à la troisième statistique, hein. Mais bon, j'ai pas encore bien vu comment tout ça fonctionnait, mais en tout cas, ça m'a été fort utile dans la belle fusillade là qu'on vient de passer. C'est dommage que je l'avais pas avant, le sang-froid dans la tête. Ça m'aurait peut-être évité de mourir face aux deux premières attaques sur la route. En mode sang-froid, tu vises où tu veux, tu tapes R1 pour sélectionner les points d'impact et R2 pour balancer la sauce. R1 pour sélectionner les points d'impact, d'accord. Oula. On verra ça plus tard. L'orage est quand même pas mal pour l'instant, ça a l'air de gronder là. On verra ce que ça donne.
Allez, du coup, on va se détendre un peu. On va faire une corvée ou deux. On va manger un morceau, les gars. Parce que j'en ai besoin, là. Avant qu'il fasse trop mauvais, regardez ça. On va amener les sacs avant que ça se perde sous la pluie. J'arrive, boss. J'arrive. Ah, la journée a été difficile aujourd'hui, Suzanne. On est pas mal en termes de morale pour l'instant, ça va mieux déjà. Hein. Hey boss, j'ai sorti Mika. C'est bon, l'ami. Wasn't that a beautiful fantasia, Arthur? If you say so, Dutch. Such a beautiful dream. So poorly rendered. Ça ira mieux bientôt, Dutch. Bon, l'orage a l'air d'être passé, les gars, ça va. Vu les points d'honneur que tu perds tout le temps, l'odeur ne va pas être ouf. Ben, ça va, ça va. À défaut du jeu, le tir au jugé, il est très difficile, oui. Alors sans le HUD, ouais, ça doit quand même être... Peut-être quand j'aurai 100 heures sur le jeu, j'arriverai à le faire sans le HUD, pourquoi pas. Allez les gars. On va aller finir la deuxième corvée, là, rapidement. Et on va aller manger un bout, là. Et la journée, elle n'a pas été de tout repos. Hein. Et avec tout ça, j'ai plus une thune. Il va falloir qu'on aille chasser, les amis. Récupérer de l'argent. Et vendre quelques pots, parce que sinon, on va pas pouvoir faire vivre le camp comme il faut. Quand même la priorité, pensez aux copains, pensez à la famille. Bon, ça ira pour là. Hey! Et la lessive, l'ami. Merci, Suzanne. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est ce que je disais hier. Si vous vous souvenez, je disais, c'est dommage qu'on n'ait pas quelque chose quand j'ai amené les petites herbes, les petits aromates à Suzanne. On n'avait pas eu de petits messages, de choses comme ça. Et bah là, du coup, elle m'en reparle le lendemain. Voilà, ça, c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment, vraiment top. On va se prendre un petit café, les gars. Parce que je l'ai mérité. Et on va remanger un morceau. Je crois que ça ne me fera pas de mal. Allez, Gunfight, c'est chaud. Ah, il faut qu'on recharge notre sang-froid là, ouais. Le sang-froid, c'est ce qui nous permet d'utiliser le L3, ouais. Oh, there you are. Sure. It was here. He had it all the time. Mr. Miller, he'll never let you down. It's so simple. Even you'd get it, Arthur. Well, thank you. Ah. Merci, boss. On est bien de se lever, les gars. On les a déjà regardé les photos, mais pourquoi pas.
Je me souviens bien, Gueda, je me souviens bien. Il nous a demandé de prendre des photos, des gars. Ah, mais on va partir chasser pour l'instant, les amis. Parce que j'ai envie de me rendre utile pour le camp, mais en même temps de me détendre après avoir exterminé la moitié du village. C'est quand même pas rien. On n'est pas encore tout à fait mort, c'est à ta raison. Allez les gars, on y va. Allez cochise. Allons travailler un peu notre compagnie, ma belle fifille. Devenons comme les doigts de la main finalement, inséparables. J'espère que cette fois-ci, je ne vais pas te perdre. Bon, où est-ce qu'on va aller chasser les amis? On va choisir un endroit pour la chasse. Là-bas, on a des animaux. Là, on a des renards. On va peut-être aller chasser par là. En restant appuyé sur gauche, j'ai un journal de mission. Ok. On va aller chasser par là. Et ça, c'est mon journal. C'est pas mon journal de mission. C'est ce qu'on a trouvé comme plante dernièrement. Ça, c'est le gars qui veut les cartes des paquets de cigarettes. C'est ça, je me souviens de sa tronche à lui avec le chapeau. Ça, c'est celui à qui on a acheté la carte au trésor pour 10 dollars. Je me souviens aussi de celui-ci. Ça, c'est les terres brûlées qu'on a trouvées à côté de la base. Ah! Alors, os de dinosaure, donc ça on le sait. Carte du paquet de cigarettes, on vient de le dire, chasseur de trésors. Demande d'objet la pipe, on n'a toujours pas trouvé la pipe. Des aromates, on lui a ramené du coup. Ah, elle nous a laissé une récompense, c'est vrai. On va aller chercher la récompense tout de suite. Alors que Mika est condamné à être pendu pour un double meurtre perpétré près de Strawberry, Arthur tente de le faire évader de prison. Pourquoi elle n'est pas terminée la quête? Je peux la rejouer, mais pourquoi elle n'est pas terminée? Terminer la mission sans utiliser d'objet de soin. Terminer avec une précision d'au moins 70%. Réussissez 15 tirs en pleine tête. En vous échappant, tuez les représentants de la loi à cheval en 55 secondes. Waouh, c'est infaisable ça. Jim Boy Galway. Ah, c'est lui. Qui veut écrire un livre. On va aller chercher la récompense, les gars. On viendra chercher notre cheval après. Allez, Arthur, on y va. J'ai envie de voir ce que Suzanne nous a laissé pour nous remercier. Hello. Hello. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a laissé où? On peut regarder si on peut changer de vêtements, allez. Qu'est-ce qu'on a en manteau, les gars? Ouh! Et pourquoi je les ai toutes ceux-là? On va mettre ça, les gars. Ah, on aura les emplacements derrière les photos. D'accord. Un manteau Montana. Ça me va bien, ça. Je le garde. Allez. Sauvegarder la tenue. Ouais, on va sauver la tenue. Tenue personnalisée, sauvegardée, hein. Pourquoi pas. Alors, je peux le mettre ça ou pas? Ouais. On a changé de tenue, les gars.
Voilà, j'ai un manteau, mais j'aime bien le manteau en fait, il est classe. Donc c'est pas grave si l'incident il est pas au top. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau, les amis? Hey Suzanne. Ah, ça doit être un fortifiant qu'elle m'avait donné. Cool. Merci Suzanne. J'aime bien ce manteau-là. Il fait classe. On va mettre celui-là du coup pour l'instant. Même s'il n'est pas forcément bien adapté. Allez, Cochise, on y va. Yep. On les lira la prochaine fois les photos, c'est pas grave pour tout de suite. De toute façon, je vais pas y aller là tout de suite. J'ai envie de chasser un peu, les amis. Good morning. Morning. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu gueules, toi? All good, calm down. Pourquoi troisième du nom? On les checkera après le. Peut-être avant de faire. Ils ont l'air coincés ceux-là. Je me demande ce qui se passe si on les libère finalement. Ça doit mettre une prime sur la tête. Laissez mon cheval ici, les amis. Ah, ma belle. Allez, reste là, ma belle. Good girl. Par contre, je vois pas à quoi ça me dit ce qu'il faut utiliser pour pas la chasser. Hein. En quoi ça m'a dit ce qu'il me fallait pour la chasser, les amis?
J'ai pas bien compris ce que vous m'avez expliqué, que ça me disait... il faut réappuyer sur R1, d'accord. Ok. Easy. Compris, ok, on va essayer les amis. Ok. Ah, mon impère, il est mouillé, regardez ça. C'est superbe, on dirait The Witcher. Et une peau. On va y retourner, les gars. On en a d'autres par là-bas. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Une peau peut servir à fabriquer des objets, cuisiner, utiliser un fusil pour tuer l'animal proprement. D'accord. Ok. Donc là, je n'ai pas de fusil, donc bon. Je n'ai pas de fusil, les amis, donc je ne pourrais pas tuer proprement. Donc autant que j'utilise l'arc quand même. Et je suis pas prêt de pouvoir acheter un fusil pour la chasse, hein, j'ai l'impression. Mais on a besoin de faire vivre la communauté, les amis, donc on n'a pas le choix. Il faut qu'on chasse. Pas l'ami. Ne bouge pas. Il faut faire vivre la communauté, les amis. On n'a pas le choix. Salutations, David. Comment vas-tu? Allez, on va rentrer avec ça, les amis. Allez, cochise. Good girl. Il y a un fusil à l'armurerie qui s'appelle le fusil Springfield. Ouais, voilà, mais je peux pas l'acheter. Donc, pour l'instant, que dalle, les amis. On retourne à la maison. On va trouver une peau et un peu de nourriture pour le camp, les amis, c'est bien. On a besoin de regagner de l'or, les amis. On a besoin d'or. De pièces sonnantes et trébuchantes. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Un bison. Fournit une peau, corne, viande de bison. On peut ça à fabriquer. Utiliser. Un fusil pour tuer l'animal proprement. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi?
En pleine tête, les gars, ça y est, c'est bon. Slow it up. Pleine tête, les gars. On l'a pas fait souffrir celui-ci. Et c'est mon premier bison. Waouh. On va manger la racine directe, les gars. Et en plus, l'animation, elle est plus grosse sur celui-ci. Regardez ça. Ah, il enlève carrément la corne aussi. Waouh. Waouh, quoi. Ah ouais, quand même. Par contre, je suis pas certain de pouvoir le mettre, du coup, sur mon cheval. Il va falloir que... Si. Ah non, c'est remplacé. Bah oui, je peux pas monter avec ça sur mon cheval, je parie. Ah bah oui. Ah oui, bah alors là... Ah. Eh ben, il va falloir qu'on revienne, alors. Allez, viens. On va venir la chercher, alors. On n'a pas tué l'animal pour rien, les amis. On va revenir. T'as déjà pris 2 chevaux pour transporter les grosses peaux. D'accord. On peut prendre plusieurs chevaux avec peut-être avec le lasso. Et moi l'ami. Ah c'est vraiment... ils ont pensé à tout quoi. Ouais, 10 dollars c'est un peu maigre. Hein. On va retourner chercher la peau. Moyen ou petit gibier sur les flancs, d'accord. Mais pas un gros gibier, une grosse peau. Ok. Eh ben on apprend encore les amis, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On apprend tous les jours sur ce jeu. En même temps, c'est la première fois que l'occasion se présentait, donc. Listen to me. Listen. I know. We lost people. And I miss them. And I would throw myself in the ground in their place 100 times over if I could. But things, they don't work like that. Listen. We need to keep pushing. It ain't time yet to let things wither and die. All those dreams we had, it ain't time. Because that's all we got. That's all that anybody has got. Dreams. Ideas. It is that or be a monkey. And right now, I am picking us for angels, not monkeys. So you stay with me. You stay with us. Because things are gonna get tough, but we are gonna get where we wanna go. Listen. And listen good. It ain't the time for doubting. Otherwise, Mac, Jenny, all of them, they died for nothing. Don't make it like that. For yourselves, I mean, because me, I'm going forward. Because going forward makes me an angel of God and not no monkey. Okay, boss. La biche, elle commence à être lourde sur mon épaule, les amis, alors je vais aller la déposer. C'est pas faux, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'ils auraient pu penser, hein, un chariot, un petit chariot pour transporter plus de,
de carcasses ou de peaux de bêtes, c'est pas con du tout. Very good, we were getting low. You know that's true. This should be things all right. Ok. À la prochaine, personne. Allez, on va chercher la peau, les gars. T'es un cow-boy, pas un commerçant non plus. Est-ce qu'on a de la tambouille de prête, les amis, quelque part? Ouais. On va manger un peu de tambouille, là, avant de repartir chercher la peau. Ça ne fera pas de mal. Je peux pas prendre de tambouille, les gars. Il est pas l'heure. Hi there. On vient de ramener une biche, alors on a le droit de manger un morceau, hein, Suzanne. J'avais faim, les gars. Je vous raconte pas. Ah bah ça fait du bien. Allez, on est reparti. Hello, Arthur. Salut. Allez, cochise. Okay, girl. On y va, ma belle. Marston qui drague Karen. Ah, c'est John, quoi. Bon, on va regarder où c'était. Mais il y a tellement de discussions, je pense, qu'il doit s'en passer tout un tas. C'est un truc de dingue. C'était par là, hein, je pense, qu'on est allé. Et on n'était pas loin du retour, donc on va partir par là. Abigail, en plus, les amis, c'est ma préférée dans le camp. Yep. Allez, cochise. La peau était là quelque part, les amis. Elle est plus là, on dirait. Est-ce qu'elle a des pop? Est-ce qu'elle a été volée? Parce que le bison est encore là, mais la peau n'est plus là. Yep. Intéressant.
elle n'y est pas sur la map, hein, donc ça a des pops, je pense. On va dire qu'elle a été volée plutôt. On va aller chasser un autre animal du coup, les gars. Il faut qu'on aille vendre à la ville. On n'a pas le choix. Elle a peut-être été volée ou embarquée par un animal sauvage. Hein. C'est possible aussi, les amis. Hein. Allez savoir. Oh, il y a un animal qui vient de mourir. Vous avez vu ça? Okay, there. L'animal, on l'a vu, il est tombé. Ah! On va chercher un autre animal à ramener à Valentine pour le vendre. Et du coup, on ira voir Mary aussi. Voilà. On a abrégé ses souffrances, les amis. On ne l'a pas laissé souffrir cette fois-ci. Ah, ma belle. Doudou, ma belle. There, girl. Deux balles et elle n'a pas souffert. C'est mieux. On n'entend pas beaucoup Aurélia ces temps-ci. Si personne ne l'a volé, tu l'as même pas caché dans un buisson, lol. je sais pas, on peut peut-être, peut-être quelqu'un qui l'a volé ou un animal sauvage qui l'a embarqué pour manger la viande qui restait dessus. Hein. Allez savoir, les amis. Allez savoir. Allez, direction Valentine. Ah, moi non plus, je suis pas fan de leur cri, ça fait mal au cœur. Ah, faut pas croire, les amis, hein, je suis pas méchant du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas beaucoup de mauvaises actions. Allez, on va se dépêcher d'aller la vendre avant qu'elle la viande ne s'abîme. On va aller au boucher à Valentine. Oh, on a un autre bison qui est revenu, les amis. Non, non, pas deux fois la même erreur pour l'animal. On chasse uniquement ce qu'on peut emporter. J'ai pas besoin de le chasser juste pour de la viande. T'inquiète pas, l'ami. Ah, le deuxième, il a repop. Mais pas la peau. Et on va en profiter pour aller voir Mary aussi. On va aller voir ce que cette demoiselle nous veut.
parles pas beaucoup, tu es prise dans le jeu. Et comme tu connais pas, tu laisses ceux qui connaissent me conseiller. Oui, mais j'aime bien quand tu parles, comme tu es souvent d'accord avec moi, du coup... Ça me réconforte dans mes choix, tu vois, quand tu es d'accord avec moi. Ah, c'est certainement plus fun ou plus drôle d'être méchant dans le jeu, hein, parce qu'on peut effectivement faire des braquages, faire tout ça. Ah, j'en ferai certainement parce que je pense qu'il y en aura des scriptés de toute façon. Mais comme pour l'instant ça n'est pas scripté, j'attends, on sera toujours temps d'en faire plus tard. Braquer une diligence ou un train, on aura le temps de s'amuser avec ça plus tard si c'est pas scripté, les amis. Je préfère rester naturel et être un, je pense, un homme de bien. Ah, t'as oublié de le faire trois fois, Christelle. Nul, peut-être, non? Restez polis, les amis, restez polis. La politesse et la courtoisie, hein. La fenêtre est cassée, les gars. Aïe. Ah, s'il a fait un bisou sur la joue, je suis pas sûr qu'il était d'accord, hein. Hey, get moving. Get up now. Allez, on descend, les gars. Tranquille, l'ami, tranquille. Hello, mister. Hello. Voilà une belle bête, l'ami. $2.80. Wow. Ben avec ça, je vais pas m'enrichir, quoi. C'est pas très cher, l'ami. T'es dur en affaire, mais bon, j'ai pas le choix de toute façon. Ah là là, à la prochaine. Thank you. Vous savez quoi, les amis? Je pense qu'on va aller prendre un bain. Ça va nous faire du bien. Ah, je vais finir sur la paille, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie au grand air. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on a des amis. On a l'air pur. Ça n'a pas de prix, tout ça. Et ça nous empêche pas de rester quand même civilisés et propres. Hello again. Hello again. Mister. You arrange a bath? I need a wash. I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Tu t'es fait voler plus de 500. Waouh. Un bas spécial avant de rendre visite à Mary, exactement.
Je ne sais pas qui est Mary exactement, mais bon, un bain spécial. How'd you like some help in here? Sure. Sure. Sounds good. Good. Now don't you worry about a thing. Je ne reconnais pas si c'est la même demoiselle, les amis. I'll be out of your hair in no time. Let me know if you'd like a bit of an extra scrub anywhere. Gotta take a break sometime. Life's too short. Yes, indeed. My dog Copper used to take baths with me when he was alive. Well. Ah, certainement qu'il y a un peu de baladresse, si on peut le dire comme ça, dans ses mains. Elle cherche le savon et l'a glissé, chef. I don't have gossip around here. That sure doesn't surprise me about this. Vous avez vu que je reste concentré quand même, même pas une variation dans l'intonation de la voix. What do you do in your free time? Let's see, there isn't much to do here except count the stars, you know? Ah, tu comptes les étoiles, il n'y a pas grand chose à faire, je viens de croire ici. I've had quite the run of bad luck recently. Oh, gosh, you poor thing. How did a nice lady like you end up in a place like this? Oh, are we that close to friends now? Pas un sou, Nimo, on a quand même $50. PS4, oui, l'ami, PS4 Pro. Allez, ma belle, ça ira. Merci. Oh, en plus, elle a le droit à un petit bisou. Ok, maybe we'll cross paths again. Hey, bah ça fait du bien après avoir pris notre joli manteau pour aller rendre visite à Mary. On y va, les gars. You can stay another night if you want. À la prochaine. Le fusil va pas arriver comme ça, c'est pas faux. Thank you. Mais en même temps, il n'y a pas que le fusil dans la vie. Car en plus, on va aller voir Mary de nuit. Oh, c'est peut-être dangereux, les gars. Ah, je profite de tout ce qu'il y a dans le jeu. Tranquille, les gars, c'est clair. Après, je peux comprendre, encore une fois. J'ai pas encore assez de recul pour juger de la pertinence, de la qualité globale, totale du jeu. Moi, je suis extrêmement fan pour l'instant de ce que je joue. Ça, c'est sûr. Après, je peux comprendre, encore une fois, que beaucoup n'aiment pas ce jeu. Il n'y a pas assez de fusillades. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de... On va dire de fun dans l'idée. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que j'y fais. Salutations, Dolwill. Mais je pense que beaucoup n'en prennent pas. Beaucoup aimeraient que on puisse sauter finalement les trajets à chevaux. Quand on est à cheval, plutôt, pardon. Puisse directement avancer la quête principale, flinguer tout le monde, sans qu'il y ait de conséquences. Je pense, hein. Moi, je suis beaucoup plus fan de cette immersion comme ça, tranquille, mais bon. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Un petit coup d'haleine fraîche, les amis. Un petit coup de menthe. On n'a pas un petit truc qui pourrait nous faire haleine fraîche?
Est-ce qu'on n'a pas de quoi régénérer par exemple ben voilà. Comme ça, on a régénéré notre sang-froid au cas où. Je fais pas de pub, Rudy. J'exprime des idées et je réponds beaucoup aux gens qui n'aiment pas forcément ce qu'ils y font. Après, si ça te plaît pas, bah la porte est ouverte, hein. Wow. Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Wow, quel Mrs. accueil! Linton, a caller for you. Wow! Hello, Arthur. Mary! Mary? Eh ben, une belle demoiselle, dites donc! I heard you and your friends was around. I. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, well, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Listen, Arthur, I'm my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life. Me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Allez. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux-là, les amis, mais bon. Ah, j'ai l'impression que la demoiselle n'a pas été très tendre avec le cœur d'Arthur. Et malgré cela, Arthur est un homme de bien. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Non, non, t'inquiète, Rudy, pas de souci. Tout dépend où tu cherches ton fun. Le gameplay de Far Cry m'a autant plu que celui de Red Dead Redemption 2. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, hein. Exact, je suis d'accord avec toi, hein, Liedan. J'ai beaucoup aimé Far Cry 3, par exemple. Pour moi, Far Cry 3, il était bon. Après Far Cry 4, il était beaucoup moins bon. Et le suivant était pas joué. Voilà, parce que je ne l'ai pas joué. Mais j'ai beaucoup aimé le Far Cry 3 aussi, hein. J'aime beaucoup The Witcher, qui n'est pas du tout dans le même style, hein. Celui-ci, très bon. Exactement, il faut savoir aussi ce qu'on aime faire dans un jeu. Et comment on peut adapter son gameplay, hein, il n'y a pas de souci. Come on, girl.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Oh, on a de nouveaux abonnés. Bah, bienvenue à toi, l'ami. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir des abonnés, hein, mais bienvenue à vous, les gars. Bon. Alors, voyons voir où ça se trouve. Où est-ce qu'elle veut m'envoyer, cette demoiselle? Ici, là? Waouh! Ah, ça sent pas bon, ça. Les Kéloniens. Je sais pas pourquoi, les gars, mais j'ai l'impression que ça sent pas très bon. Arthur a un grand cœur qui se cache derrière une carapace. Je pense, ouais. Je pense. Far Cry 3. J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai joué le 1, le 2. J'ai bien aimé à l'époque. C'est plus ancien. J'ai bien aimé également le 3. Le 3, j'ai bien aimé. Par contre, le 4, je l'ai aussi. Je ne l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé trop pareil en termes de gameplay que le 3. Et finalement, trop pareil et moins pareil. Je ne sais pas comment le dire. Je l'ai pas, j'ai pas accroché. J'ai dû jouer 2 heures à peine. Et j'ai direct décroché du Far Cry 4. Voilà, c'est, y a des jeux comme ça, on n'accroche pas. Et du coup, j'ai pas joué le suivant parce que je me suis dit que c'était encore pire. Ok, on va retourner au camp, je pense, les amis. On va faire quelques missions. On va reprendre ça, d'ailleurs. Je vais être perturbé. Et on ira voir un peu ce que nous veut son petit frère et comment on va le sauver. Mais on fera ça un peu plus tard. Là, on va retourner à la maison faire dodo. Et on va retourner chasser, je pense. On va retourner chasser. La nuit est tombée, une belle nuit avec une belle lune. Regardez ça, les amis. C'est magnifique. N'hésitez pas à me dire hein, si l'image et le son passent bien encore. Et si la nuit est jouable. Je pense que c'est, même sur YouTube avec leur encodage, je pense que c'est bien jouable. Il n'y a pas de problème. Parce que là, il y a une belle lune. Du coup, on a une belle lumière. Poor baby, did mama never hold you? I reckon you might have held him too much. We can't keep this to ourselves, it would be wrong. Qu'est-ce qui se passe ici? The town has a right to know. Big Hank likes a spank. Oh, come on, let's go. Qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui se prend une fessée là? Ah, oula! Et pourquoi je perds de l'honneur? Parce que je regarde le monsieur se faire fesser? Salut Mustapha. Même à l'époque. Tout passe bien, c'est parfait, merci. Merci Aurélia. Je pense que beaucoup que des gens qui sont ici l'ont, Mustapha. Perdre de l'honneur à regarder le grow se faire fesser, les gars. Regardez comment la ville elle est belle la nuit, quoi. Et encore, c'est une petite ville là, on n'est pas sur la grosse ville du jeu. Tu prenais Far Cry comme exemple, tout à fait. On joue pas un Zelda comme on joue un Assassin's Creed, exactement. C'est exactement ça. Non, mais on est d'accord. Après, chaque jeu a un gameplay. Alors, on adhère ou on n'adhère pas au gameplay du jeu. Hein. Faut trouver du fun quand même dans tout ce qu'on fait. Ça reste du jeu vidéo. C'est vraiment ça le plus important, hein, les amis, bien sûr. Moi, je prends du fun sur ce jeu, beaucoup. Comme j'en prends sur Skyrim, comme j'en prends sur un Far Cry 3. Comme j'en prends également sur UFC 3, voilà, par exemple. Comme j'en prendrai certainement également sur Detroit Become Human, pour le peu que j'en ai vu. Des jeux très différents, mais c'est tout est question de... Ouais, je dirais même pas toi, de s'adapter, parce que s'adapter, ça voudrait dire que quelque part, on se force à aimer. Je dirais c'est d'apprécier ce que l'on fait dans le jeu, simplement, on n'apprécie pas. Bref.
Exactement, je suis d'accord. Ceux qui ont critiqué le jeu, c'est pas pour les défauts du jeu, c'est parce qu'ils n'en ont pas compris le concept. Je pense que ce jeu, c'est un film interactif. Dans l'idée, hein, telle que je le perçois. C'est un film interactif dans lequel on aurait une liberté d'action. À part dans les missions scriptées, presque totale. C'est ça. Et si on n'a pas envie... si on attendait un jeu à la GTA, par exemple, plus bourrin, plus action, plus rentre dedans, plus nerveux, ou à la The Witcher, et ben on est déçu. Mais c'est pas que le jeu est pas bon, il est vraiment excellent dans les promesses. Hein. Il les tient toutes, quasiment. Je veux dire, pour l'instant, j'ai vraiment que dalle à lui reprocher. Il est vraiment exceptionnel, ce jeu. Et il avait rien promis d'autre. Hein. Il avait pas promis d'être autre chose que ce qu'il est. Hein. C'est les gens qui en ont pas forcément compris les enjeux, en fait. Bah c'est ça, il a des défauts, regardez, comme je l'ai dit, quand on rend une quête, il y a des fois avec Suzanne, avec les... J'aurais bien aimé qu'elle me fasse un petit « merci Arthur », tout ça. Elle m'a juste fait cri-cri qu'il n'y a pas eu d'animation, par exemple. Alors que le jeu, il y a des animations pour tout, mais là, il n'y en a pas eu. Par contre, tout de suite, le lendemain, elle me dit « ah, t'as vu Arthur, je te remercie, je t'ai mis un petit cadeau pour les aromates ». Du coup, bah, le jeu, quelque part, il rattrape son petit défaut de la veille. C'est juste ça, en fait. Une fois qu'on a adhéré un peu au concept, on se rend compte que les petits défauts, c'est que dalle, quoi. Ah. Allez, l'ami, un petit coup de brossage et je vais me reposer. Ça va te faire du bien pour la nuit. Être bien propre, ma belle. Mais voilà, après, je peux comprendre qu'un joueur d'action, il n'ait pas envie de brosser son cheval, quoi. Bon, de prendre un café, de brosser son cheval, de porter des sacs de grains, là, ou de bouffe... Je pense qu'il aimerait juste tuer des animaux, aller vendre les peaux, acheter un flingue et buter quelques bonhommes. Alors on peut prendre ce raccourci-là, hein, si on veut, je pense, si on se dépêche. Mais c'est dommage, quoi. Salut les gars! Chicago ain't nowhere near Australia. No, on peut pas avoir un petit café. Ah, tant pis. On va s'asseoir sans café alors. Ça va, révérend. Keep their babies in their pockets. What kind of lunatic thought that up? That's an interesting way of seeing things. Maybe. We'll head over there one of these days, huh? Yeah. Start a new life as kangaroo farmers. Regardez la façon, je coupe un peu là l'action, mais... Alors regardez un peu comment il... Même là, dans la scène, il est en train de raconter, c'est l'oncle à droite qui raconte, le marin... Non, c'est l'oncle, pardon, pas le marin, c'est pas Swanson, c'est l'oncle. Il est en train de raconter son histoire avec Sarah et Kangourou. Il regarde le personnage de droite, de gauche, il a des animations très réalistes, finalement. On a vraiment l'impression qu'il est en train de raconter comme dans un film. Comme si il était dans un film et là, voilà, il y avait le petit moment avec la musique. Le héros qui prend le café avant de partir tuer le bandit, quoi. C'est exactement ça. Les gens qui aiment pas, c'est soit pour faire le buzz, soit ils n'ont pas compris. Oui, c'est aussi une question de buzz, hein. On est d'accord, Oli. C'est tellement bien de dire que le jeu, il est nul et que... J'en ai vu, hein, quand j'ai regardé... Pas de spoil sur le jeu. Et quand j'ai regardé des tests, les amis, des gens qui donnaient leurs avis, encore une fois, comme cette charmante demoiselle. On sait même pas s'ils ont joué au jeu, d'ailleurs. Et le mec, il disait, il y en avait un, entre autres, qui disait, moi, j'ai pas envie de jouer à un jeu pour brosser mon cheval. Et puis, il regardait chier, je m'en fous. J'ai pas envie de jouer à un jeu pour me faire du café. Moi, je veux buter des gens. Je veux faire Assassin's Creed. Je veux sauter, me cacher, buter plein de monde. Bah, ok, mon gars, mais dans ce cas-là, pourquoi tu viens sur ce jeu? Ce jeu, il le dit clairement, il n'est pas là pour buter plein de gens, il te raconte une histoire prenante, une histoire de cow-boy au Far West à l'époque, quoi. Au 19e siècle, il te dit pas que tu vas flinguer tout le monde. Pourquoi tu viens sur ce jeu si tu l'aimes pas? C'est exactement le même principe un peu que les mecs qui mettent des commentaires pourris sur une vidéo avec un pouce rouge et qui disent c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et les mecs, ils viennent trois fois d'affilée pour regarder trois vidéos.
Mon gars, si t'aimes pas, bah tu regardes pas et puis c'est tout. Pourquoi tu restes et pourquoi tu mets un pouce rouge? Tu regardes, ça plaît pas, tu t'en vas. Là, c'est pareil. Pourquoi jouer à un jeu que t'aimes pas pour en dire du mal? Moi, j'aimais pas Assassin's Creed Origins, les amis. J'ai joué 15 heures, 20 heures dessus, en live avec vous. Je me suis rendu compte que le jeu, malgré tout ce qu'on en disait, il était mauvais. Animation pourrie, des personnages qui pop, qui dépop, pas de vie, pas de fondement. Ben voilà. Ah, je me suis dit à un moment, bon ben voilà, moi j'y joue plus. Tout simplement, il n'y a pas... je veux pas jouer à un jeu juste pour aller au bout et dire que c'est la merde. Allez, bref. Oh, révérend, révérend. Pas maintenant, révérend. Va coucher, l'ami. Ah là là, révérend. Ah, le bon bougre. Oui, après mettre 21 sur 20, c'est ridicule. Je veux dire, le jeu, il est pas parfait. Il est exceptionnel par rapport à ce qu'on connaît dans une ludothèque aujourd'hui, c'est vrai. Il est de la trempe d'un The Witcher, voilà. Avec une partie narrative plus complète. Mais dans The Witcher, il y a une partie combat, monstre, voilà, qui est plus présente. Donc, quelque part, c'est pas le même type de jeu exactement. Même si on a une aventure narrative très profonde. Parce que The Witcher, c'est aussi, ce sont aussi les trois séries des aventures narratives très profondes. Allez les gars, on va dormir quand même. On raconte notre life, on est au coin du feu. Hein. Quand on est au coin du feu, les gars, on raconte notre life. Hein. Mais voilà, c'est un jeu qui se compare à The Witcher sans se comparer, mais en termes de qualité, de rendu. The Witcher aussi a des défauts. Celui-ci, il a des défauts aussi. Mais finalement, quand on prend la globalité de l'aventure, que ce soit celui-ci qui est bourré de réalisme et d'immersion, et un The Witcher qui est bourré de fun, de dialogues amusants, de... voilà, c'est exceptionnel. Ce sont des jeux de la même trempe. Alors, on va dormir jusqu'à jusqu'à midi, les gars, parce que il est déjà tard, les amis. Ah, le pauvre révérend. Faudrait qu'il se sauve lui-même un jour. Exactement, Ilan. The Witcher s'est tiré d'une saga littéraire, donc le lore est plus étendu, on va dire. Voilà. Mais il est différent. Moi j'ai eu l'occasion, Mustapha, en support physique. Allez les gars, on se réveille. Ah, on va regarder un peu s'il est temps de se raser ou pas les gars. Comme j'en disais, c'est pareil, il y a des gens qui disaient « Ouais, moi me raser dans un jeu c'est débile, j'ai pas envie de ça, je n'ai rien à faire. » Pour rester poli. Et ben dans ce cas-là, tu te rases pas, il n'y a pas obligé à le faire. Hein. Tu le fais si t'as envie. On va se raser un peu pour se faire tout propre, les gars, allez. Voilà. Ah, rien ne t'oblige à le faire. Hein. Ah, ben on est tout propre. Allez. On continue la route, exactement. C'est ça, boss. Oh. Ça va? Always good to see. Hi, Arthur. Ah, la lessive. Allez, bonne journée, Tilly. Je vais faire mes petites corvées matinales aussi, les gars. On va faire un ou deux petits sacs et après le petit café du matin. Et voilà, encore une fois, les amis, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Pas forcément faire l'amour au jeu, comme le dit Jack Lyon. Hein. Je plaisante. Mais c'est de prendre du plaisir dans le jeu, quel qu'il soit. Good job, Arthur. Hey, Pearson. Moi, j'adore ça. Je te la mets où, celle-là, Pearson? Allez, je te le mets là. Allez, on va aller chercher le deuxième.
You gotta find us some food or some money, Arthur. Oh, Abigail. I know. Thank you. Pas de problème, Abigail. J'aime bien Abigail. C'est une belle demoiselle, une belle personne, je trouve. Elle en a du courage. Élever un gamin avec John qui est... Ben voilà, c'est John, quoi. Je connais que depuis peu de temps, mais bon. Oui, on va regarder les photos, t'inquiète. Comme ça, elles seront notées sur la carte. En tout cas, les amis, au travers de mon aventure, eh ben, vous aurez encore une fois un gameplay de vrai homme. Même si je ne suis qu'un homme normal. Vous aurez un gameplay de vrai homme complet avec ben voilà, tout ce qu'on peut faire sur le jeu. On prend plaisir à le faire tranquillement. Pas un gameplay monté, ou coupé, haché, ellipsé, si on peut le dire comme ça. Où finalement, vous avez l'impression que le jeu il dure 20 heures et puis on en a terminé. Quoi. C'est vraiment dommage de le jouer comme ça et de le présenter surtout comme ça sur YouTube ou sur Twitch. Les gens encore qui le jouent et qui le présentent comme ça en donnant une fausse image du jeu finalement. C'est pour ça que les gens aussi derrière sont déçus. Parce que les gens qui regardent ce type de gameplay se disent « Oh, salut Suzanne !» Well, I suppose he'd do the same for you. Exactly. We're all in this together, Mr. Morgan. I know you know that. Of course, Miss Grimshaw. Bien sûr, Miss Grimshaw. Donc c'est peut-être ça aussi qui donne une fausse idée du jeu hein, aux personnes qui derrière l'achètent. En se disant, bah, le jeu, il est fun. Et finalement, quand on est dans le gameplay, on se rend compte que c'est pas ça, quoi. Allez. Oh. Hey, Bill. On pose pas souvent, Bill. Hello, Arthur. Ça va? Ah, toujours pressé, Bill. Allez, la petite gamelle du matin et le petit café, les gars. De l'autre côté. Vous voyez là, ça on pourrait dire que c'est pas un bug, mais c'est des fois un peu chiant. On n'arrive pas à choper le truc tout de suite. Ah, ça fait du bien le café du matin. Hey, boss. Arthur. People are talking. You've stopped. You stopped working for us all. How'd you mean? No money in the box for ages. Come on, son. You're the best man among us. Don't go weak on me now. Please. I've been sort of busy, Dutch. I'll get back to it. Thank you, son. Je m'en occupe, patron, t'inquiète. T'as à dire que je mets du pognon tous les deux jours, quoi. Ah. Le boss, il est un peu chaud en ce moment. Bon. Comme si le pognon, il poussait sous les arbres, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, hein, Miss Grimshaw? Ah là là. Allez, on va aller voir comment on peut arranger ça.
Allez, ma belle. Easy, girl. Alors, où est-ce qu'on va les chasser, là? Il faut qu'on gagne un peu d'or, mais on gagne pas d'argent avec de la chasse, les amis. Hein. On gagne pas beaucoup d'argent comme ça. Hein. On pourrait retourner chasser ici, mais on peut avoir qu'un gros animal à la fois. On pourrait peut-être récupérer quelques pots de cerf ou aller chasser un bison. Peut-être que le bison se vendrait un peu plus cher. On va aller essayer de chasser un autre bison et de l'embarquer, les amis. Peut-être que ça se vendra plus cher. Parce que ça fait quand même pas cher pour une biche. Hein. C'est pas avec ça on va s'enrichir, les amis. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Bah, j'ai chassé pour le camp. J'ai amené une biche hier. Hein. C'est quand même pas mal. J'ai laissé une biche et deux morceaux de viande. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est de l'argent sonnant et trébuchant, mais bon. On n'est pas en ce moment de l'argent. On n'est même pas pour m'acheter un flingue, les gars. Allez, on va ramener un bison, ça leur fera plaisir. 3 étoiles à l'arc. Pour un bison, pas à l'arc, je crois pas, non. Je suis pas sûr là. Hein. J'ai pas envie d'y courir après sur toute la map. Hein. Oui, oui, je sais que la qualité de la peau, elles font les prix. Le craft aussi, il faut les 3 étoiles, je sais. Oh, doucement, ma belle. Doucement. Encore faut-il en trouver les 3 étoiles, hein. Ça va être marrant, les gars. Ah, je pourrais ramener un peu de viande peut-être et dépecer une peau. Ça, c'est de la peau moyenne. Ça pourrait le faire. Chasser quelques biches peut-être de plus. On pourrait détrousser quelqu'un sinon aussi, mais bon. Pas trop mon style, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? On peut rien récupérer sur le cheval? $1 et un fortifiant. Bah avec ça et du bœuf salé. Non, on va manger un morceau de bœuf du coup, les gars. Ça nous fera pas de mal. Voilà, voilà, on va voir la sacoche. Il va falloir qu'on cuisine la viande également. Et j'ai plus de viande de prête à manger du tout. Oula, c'est pas bon ça. Ah, on peut pas mettre un bison là-dessus? On va y voir la dame. Elle a l'air d'être bien embêtée. Ah, je suis en sous-poids aussi, il va falloir que je mange davantage. Yes. Ok. Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Thank you. Pas de bêtises, madame, hein? You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Okay.
Sure. Glad I ran into you. Huh. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Ah, je te comprends, madame. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Ouais, ça m'est arrivé aussi, tu sais. That horse did right by me. Better than my husband, truth be told. On demandera pas pourquoi, l'ami. Always complaining, but does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise, because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Hmm. Oh yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. Hmm. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Ah. He likes in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. When I asked about her, everybody told me to leave it alone. Found an old saloon there, all shut down now. But I went in to have a look, and there's bullet holes, old blood stains. Something definitely happened there, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling to the place. Either way, it's time I left. Especially now I lost that poor horse. I'll collect my belongings and be on my way. Back home? I guess. I bet my husband's right where I left him, bottle in hand. Ah, je parle pas trop pendant les dialogues, hein, les amis. C'est heureux, l'île fixe. Là, il est en train de parler, vous savez, là où on a conduit la dernière fois. On a été volé pour le gars, le receleur, hein, le chariot, la diligence. Hein. Il parlait de l'Emerald Ranch, hein, c'est là-bas. Et elle nous parlait de la fille, hein, du gars, du patron là-bas, qui avait l'air étrange, enfermée chez elle. C'est ce qu'il nous avait dit aussi, le gars. Ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça croise un peu les histoires. C'est vraiment au top, quoi. Parce que du coup, on en apprend un petit peu plus sur l'endroit et sur les choses étranges qui s'y passent. C'est vraiment excellent, hein, toute cette mise en scène. Et tout ça, c'est directement in-game, hein, sans chargement, sans transition, quoi. Exactement, c'est ça. Océan, on avait parlé, exactement. Vous voyez que j'écoute tout, hein. J'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup le jeu. Il est... tous ces petits détails, finalement, qui se recoupent. C'est là où c'est intéressant d'écouter ce que les gens racontent. Et de pas parler, d'être vraiment dans l'ambiance, quoi. On apprend plein de choses, hein. Oh, we're getting close now. Yeah. On y est arrivé presque, l'ami. Et du coup, là, je la transporte, donc j'avance moins vite, aussi à cheval, hein. Ça fourmille de beaucoup de choses, hein, ce jeu. Emerald Ranch. Doucement, ma belle. Here we go. This is great. This voilà. Was kind of you, mister. Please take this as my way of thanking you. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Oh, une chevalière. Appreciate it. Merci, madame. What a lousy day. Hey, ma belle.
Regardez ça en plus, même visuellement, les bâtiments, tout. C'est vraiment waouh. Hein. On est reparti, les gars, du coup. Si, on peut courir avec le cheval, mais je transportais une demoiselle à l'arrière, Linfix. Donc, on ne court pas avec une demoiselle à l'arrière. À côté du receleur, c'est ça. On peut lui refourguer la bague, par exemple. Je sais même pas comment ça marche. On rentre directement dedans. C'est fermé. Ah, il est là sur le côté, d'accord. Hey! Good boy! Ça va, mon chien? Hey, boy! Oh! Ah oui, chien! Hey! Hello again. C'est go on, have yourself a quick nosy. Des petits bricoles, l'ami. Peut-être. Ça te dit ça? $3. Pick this up off the street, no doubt. Eh ben, tu rachètes que dalle, quoi. Very nice. Shame to part with it, I bet. Ça, on va les garder parce que sur les cartes, si on a une série complète, ça peut valoir. Il y a des objets uniques, ah, je sais pas. Il rachète pas de bouffe et tout ça, par contre. Allez, à plus. Eh ben, on n'a pas fait fortune, hein. Stay safe and quiet. Allez, ma belle. Oh, good girl. Où sont ma belle? Vous avez vu le petit cheval, là? Il est tout petit. Il est cute. Allez, on est reparti, les gars, du coup. Donc, effectivement, si je ne cours pas souvent, c'est parce que je profite. Et déjà, en ne courant pas, je rate plein de choses. Ah, tant pis, on ira la prochaine fois. C'est pas grave, l'ami, t'inquiète, c'est comme les cartes, hein, j'oublie pas. Je le ferai au camp tranquillement plus tard. T'inquiète, je n'oublie pas. En même temps, ouais, on va pas les tuer efficacement avec ça, c'est le problème, quoi. On va utiliser la carabine et puis on va achever les bestiaux plus rapidement pour qu'ils ne souffrent pas. L'économie est assez hard, ouais, je trouve. Yep. On y reviendra, t'inquiète, Liedan, on y reviendra. Oh, on va pas tuer la vache là, hein. Voilà, on le fait pas souffrir. Oh. Easy now. On ne fait pas souffrir l'animal, les gars. Alors, on va l'embarquer, celui-ci. Pour le camp. Et on va chercher de meilleures qualités, peut-être pour les peaux. On utilisera l'arc, voilà. Quand on aura fini le jeu, on aura beaucoup de pépettes, ouais, certainement. Ok, girl. Yep. Certainement. Comme dans beaucoup de jeux, de toute façon,
plus on avance loin, plus on a d'argent. Ça, bonjour, monsieur. Cavalier rang 1. Lapin tué depuis votre cheval 1 sur 5. Ah, d'accord. En tuant des lapins, on débloque le rang cavalier. Ok. Pourquoi pas. Alors, si on pouvait se tuer d'autres petits animaux pour la peau, par exemple. Ok, on va changer le fusil. On va mettre le fusil pour le petit gibier. Et on va essayer de chasser du petit gibier, les amis. Alors, à cheval, j'imagine que ça va être peine perdue. On fait trop de bruit. Mais on va essayer, on va voir. Ah, regardez là-bas. On dirait une fouine ou une moufette, je sais pas. Easy, easy. On va regarder quand même vite fait ce que ça peut être. C'est un renard. Ça nous fera une peau, les gars. Ça nous fera une peau. Fusil pour petit gibier. Je sais que c'est une carabine pour le renard, mais c'est quoi les petits gibiers alors? C'est juste le lapin? C'est pas évident, hein? On y arrivera, on y arrivera. I know, girl, just give me a second. Mon premier renard, les amis. Certaines plumes d'oiseaux se vendent 1$ l'unité, d'accord. Ah! La lunette que tu as rajoutée lorsque tu as acheté ton fusil. Le petit gibier n'est pas que cosmétique. En visant, appuie sur la flèche du haut pour d'abord pour passer en mode sniper. Je ne savais pas, Yedan. Merci encore de l'info. Mais comment tu sais tout ça? Non, c'est une petite fourrure, je peux pas la prendre. C'est une blague. Une fourrure de renard, on peut pas la mettre dedans? Dès qu'on a un animal sur l'arrière, on peut pas rien faire. Ah bah non. Ah mais là, c'était pas prévu ça. Je pensais qu'on pouvait au moins prendre une fourrure en plus quoi. C'est un petit animal, un renard quoi. Bah il veut pas. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Regardez, là j'ai la fourrure sur moi. Ok. Si, on peut la charger quand même. Si, ça va. Ok, merci. Du coup, je savais plus là, les amis. Come on, girl. Merci. Alors, on va rentrer à la base parce qu'on a de la viande. Hein, donc, il faut retourner là-bas avant que la viande elle pourrisse. Yep. Et c'est pas avec ça on va s'enrichir encore. Je m'étais peut-être pas bien placé sur le cheval, hein. Il y a des fois ça arrive à côté du cheval et puis du coup j'avais pas la touche. En tout cas je l'avais pas vu. Regardez, c'est beau, hein, la nuit comme ça, le temps qui se couvre, les changements de lumière. Là on est sur une lumière très étouffée. C'est très très beau.
faudra qu'on se fasse une vraie session de chasse. On va rester une nuit complète à chasser. Ça pourrait être bien que je vois un peu comment ça marche. Mais pour ça, il faudrait que j'achète le fusil avant. Pour pouvoir tuer plus efficacement tous les types de bêtes. Donc on va attendre d'avoir les sous pour acheter le fusil. Le fusil de chasse. Hein. Et après, du coup, on aura la carabine, le fusil pour les petits animaux. On aura à peu près tout ce qu'il nous faut. On va le faire dans cet ordre-là, les amis. Et je regarde toujours hein, si je vois les deux promontoires, les deux rochers. Je les vois pas pour l'instant, hein, que j'ai sur ma map pour le trésor. Hein. Un jour peut-être. Maintenant, on n'a pas visité toute la map, donc ça se trouve que j'y suis pas encore allé par là. Hé hey, l'ami! On peut stocker le cadavre de lapin aussi? Ah oui, le lapin, je l'ai pas ramassé aussi. Ce qui manque un petit peu au jeu, ce sont des nuits plus sombres, les amis. Après, je sais bien qu'on a la lune, et la lune apporte un gros éclairage, un gros apport de lumière, lumière naturelle, mais ça manque de sombritude, si on peut le dire comme ça. Hein. Je trouve que ça manque un peu de sombritude. C'est moi, John. It's me, Art. I ain't even gonna ask where you've been. Imaginez un jour, ils me reconnaissent pas, ils me tirent dessus, ce serait rigolo. Voilà, le clair de lune, il est un tout petit poil trop prononcé, je trouve aussi. Après, il faudrait peut-être réduire un peu si on a un gamma dans le jeu, je sais pas. Peut-être en réduisant un tout petit peu le gamma. Good girl. Je peux étudier mon cheval. Super. Allez, viens là, toi. Avant que la viande pourrisse, hein, les gars. En plus, il accroche la lanterne à sa sacoche. Hein. C'est vraiment génial, hein. On va aller papoter un peu avec eux après, les gars. Alors, attendez, je vais vous tromper un coup. Hop là, on va faire le tour. On va bien se repositionner. Voilà. Tiens, mon gars. Just in time, Mr. Morgan. Ouais, elle est un peu plus, elle était pourrie, hein. Un petit peu de viande. Good. We really needed this. Un petit peu de viande encore. Dites pas que j'ai rien amené, les gars. Ah, qu'est-ce qu'on peut filer? Ouais, des petits biscuits. Ah, on peut pas le donner, ça. Ils n'en veulent pas. Pas ici, en tout cas. Ok.
and she's out there smiling, so cheer up! That's all I'm saying. Here you go. Je peux l'avoir ou pas, là, mon café? Non, on peut pas le prendre ici, le café. On peut pas avoir de café ici, bon. Faites attention. Ah, vous sauvez pas, les gars. Okay. Oh, Arthur. Hello. You really need to start helping out around here. I know. You're lucky Dutch has a soft spot for you. Okay. You were right about this place. It's a good spot. You'll do for now. For sure. Get back to it. Sure, Arthur. Allez, on va aller dormir. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit, les amis? Une île aurait peut-être un peu trop picolé. N'oublie pas que John, toi et Dutch sont des as de la gâchette, tu m'étonnes. Alors, tu disais, pardon Rudy, en haut à droite, si c'est blanc, ça veut dire qu'on doit ravitailler avec le registre, d'accord. Ah bah ça a été un peu, je me suis retrouvé tout seul. Hein. Je suis arrivé un peu comme le chiard là, personne n'avait envie de me causer, tout le monde s'est barré du coup. Et bah c'est pas grave, hein, ça arrive les gars. Allez, on va aller mettre une petite pièce dans la boîte. Que le boss il soit content, même si on n'a pas gagné grand chose. Eh, 17$, si je mets pas de pognon, il n'y a personne qui met du pognon quoi là-dedans. Allez, on va mettre 2$, les gars. Voilà. Allez, on va remettre 2$ de plus. Allez. Bon, pas dire que j'ai rien mis. Ah, tout est blanc, là. Donc, on est bon. En termes de bouffe, en termes de balles, en termes de pognon, on est bon pour l'instant. On fait du bon boulot, boss. Allez, on va se reposer, les gars. Jusqu'au matin, 5h du matin, ce sera parfait. Eh ben, les amis, j'ai l'impression d'avoir rien fait encore ce soir. C'est un truc de dingue, hein. Ça va faire 3 heures qu'on joue. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait. On a fait une quête finalement. On a été voir Mary. On a récupéré une quête. Bon, on a sauvé quand même Mika. On a été voir Mary. On a fait 2 quêtes. Le reste, on s'est baladé. On a chassé. On a raté. On est mort. On a fait des corvées. Good morning, Arthur. Hey, boss. It was a heap of trouble, but... I got Micah out of jail. Oh, thank you, Arthur. So where is he? Still out around that way. Looking for a peace offering, he said. Ah, te sauve pas, boss, hein. J'ai fait ce que tu m'as demandé, hein. Non? Okay, I'll catch you later, then. All right, Arthur. What is it, Arthur? Hey, gamin, qu'est-ce que tu fais de beau? Morning, Arthur. All right.
Tu nettoies. What you up to? Just minding my own business. Okay, keep it that way. Then take care. Non, si c'est blanc, ça veut dire que c'est à la limite du rouge. D'accord. Ok. Il est 5h du matin, attends 2 minutes pour le café. Hein. Ah bah allez, salut Abigail. Good morning, Arthur. Hey, ça va? Ah, regardez, une demoiselle jolie, souriante. Nothing better. Pearson? Anyway, I'll leave you to it. Yeah, goodbye. Oh! Il va remplir la gamelle. Allez, le petit café, les gars. Hey, Pearson. Hello. Ah, bah ça fait du bien de se réveiller tranquillement le matin, les gars. Ah, je vais me poser avec toi si tu veux bien pour le café finalement. I'm sorry, Abigail. Ah, c'est une belle demoiselle. Hein. Une demoiselle qui est là, comme il en aurait fallu une peut-être pour Arthur. You need something, Arthur? Ah là là, je te plains avec John là. Il n'a pas encore l'air en grande forme. Bonne nuit, Audi, à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, les gars, on est réveillés. Morning. Allez, une petite corvée. Comme d'hab. Histoire de reprendre un peu d'honneur. Et il va falloir qu'on ramène encore de la bouffe, les gars. Il faut qu'on retourne chasser encore, quoi. Il faut aller chasser tous les jours, là, presque. Hein. Il n'y a jamais à bouffer sur le camp, sinon. Il va falloir qu'on ramène de l'argent, aussi. Où est-ce qu'on va le trouver, l'argent, les gars? Le boss, il est bien gentil, quoi. Mettre de l'argent, mais bon. Faut le trouver, les gars. Just make sure you don't chop your foot off. Merci, Océa. Allez, c'est bon. Est-ce que la gamelle, elle est prête? La gamelle, elle est pas prête, les gars. On peut pas manger encore. Il va falloir qu'on cuisine ce qu'on a chassé, les gars. Parce que là, on va jamais y arriver. Hein. Hello. Bah, je ramène de quoi manger, mais je mange pas beaucoup. Et c'est jamais prêt au moment où je suis là, Aurélia. Je suis toujours là trop tôt ou trop tard, finalement. Est-ce qu'on peut? Allez, on va se rechasser un animal vite fait, les gars. On va chasser au fusil. Hein. Il va falloir qu'on fasse des cartouches également. Tu as bien raison, mon ami. Je suis en train de dépérir à vue d'œil. Hein. There we go.
On va plus me reconnaître bientôt. Je ne serai plus que l'ombre de moi-même. Okay there. Ça serait bien de chasser un oiseau aussi, les gars, hein, mais je sais pas comment ça se chasse un oiseau. Hein. Je regarde si on n'a pas du lapin au loin ou quelque chose aussi. Là-bas, on a des biquettes. On n'est pas loin du camp en plus. Exactement. Merci Aurélia de t'en faire pour ma santé. Et vous voyez que je ne fais plus souffrir les animaux, même si pour l'instant je ne récolte pas les meilleures peaux, parce que je n'utilise pas les meilleures armes, c'est vrai. Mais en même temps, vu que ce ne sont pas des peaux de 3 étoiles, je ne peux pas malheureusement faire beaucoup beaucoup de choses. On va ramener le bestiau complet. Hein. Pour les oiseaux, tu peux te balader dans la nature. Quand tu vois quelques buissons, tu tires un coup de feu, tu verras sans doute des oiseaux partir. D'accord. Ah, c'est réaliste, quoi. Là-bas, ça sert à rien. De toute façon, je pourrais même pas récupérer. Sauf si c'était une peau 3 étoiles, mais j'ai pas le fusil qu'il faut, donc de toute façon, je risque de l'abîmer. C'est un peu ça aussi le deal, hein. Même si là j'avais une version 3 étoiles, de toute façon je l'abîmerais certainement, les gars. Donc bon. On va ramener de la bouffe déjà pour tout le monde. Ça devrait faire plaisir aux cuistots. C'est moi. Any problems, you shout out, Lenny. Good morning. Mon cheval, il est un peu excité, hein. De bon matin comme ça, une belle pièce de viande bien fraîche. J'espère que ça va lui faire plaisir, hein. Normalement, on devrait plus être dans le blanc avec ça, j'espère. Hein. Quand même. Parce que là, hein. Good boy. Good girl. There we go. Allez, viens là, toi. Ah, merci, boss. Ça va nickel, boss. Ah, that was a quick trip. Tiens. Okay then. How you doing? Well, good day so far. Good. Good job, Mr. Morgan. Yes. Eh ben, on est toujours en blanc, les gars. Lorsque tu vises avec une arme, tu peux appuyer sur flèche JO et tu viseras le ciel afin de faire fuir les animaux et intimider la PNJ. D'accord. Ah, c'est pas useless, c'est super cool.
Allez, on a chassé les gars, on est reparti du coup. Doucement, ma belle. Doucement. On va regarder un peu dans quel état je suis. Ça se trouve, je me suis encore amaigri. Sous-poids, température moyenne. Bon. On est toujours en honneur positif. On est toujours en dessous du poids attendu. Il va falloir qu'on cuisine, les gars. Ah, c'est pas quelque chose de très important, mais c'est un détail qui en a de l'importance finalement. Allez, on va essayer de surchasser un animal et d'aller le vendre. Ça nous fera quelques dollars, les gars, déjà. Ça nous permettra de prendre un bon bain. Si on en a besoin un moment aussi. Et en même temps, toujours, hein. Peut-être pour le petit gibier. On a fait s'envoler des oiseaux, je les ai entendus. Mais je les ai ratés, bien sûr. Mais j'ai compris le principe, ok. Ok. Allez, si on pouvait se chasser une nouvelle proie et aller la vendre, ça serait bien. Je me demande si on peut tuer et dépecer un cheval, les amis, je pense pas. On peut sûrement capturer un au lasso. Hein. J'imagine qu'on peut capturer. Ouais. On va faire un feu de camp aussi pour cuisiner, les gars. Je pense pas qu'on puisse tuer le cheval, oui, mais le dépecer, je pense pas. Après, pour essayer de le capturer, peut-être que ça nous ferait un peu d'argent. Si on le vend. Here. Non, c'est pas comme ça. Ah, oh, mais il a tué une biquette. J'ai pu le rater. Allez, cochise. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, pourquoi ça fait cring cring cring? J'ai dû rater quelque chose, en fait. Je crois qu'il y a une mécanique que j'ai pas bien compris. Non, il s'est sauvé. Je l'avais chopé. Let's go, girl. Yeah. Ah. Pardon, cochise. Allez. You'll be all right.
Je crois que j'ai pas bien compris, hein. On peut pas l'attraper au lasso? Bon. Tant pis les gars. On verra ça plus tard. J'ai pas bien compris la mécanique, mais c'est le premier, donc on verra ça. Les premières fois, c'est toujours compliqué. Allez, allez, allez! On a failli passer sur le coup là. Serre un cheval la prochaine fois, les amis. Hein. D'accord, on peut t'y faire. Effectivement, toi, j'ai testé un hein, tiré vers le haut. Ok, ça marche. On essaye de récupérer encore une pièce de viande, aller la vendre, les gars. Eh ben on va pas s'enrichir encore là. Alors je sais que j'ai pas la bonne méthode hein, là, mais j'aimerais bien prendre une proie assez facile et la vendre. Là-bas on a encore des chevaux, mais je suis pas sûr d'y arriver. Les oiseaux. Yep. Easy. Ah, pas grand chose par là. Lapin. Ouais.
Ça sert à rien, les gars. Les lapins, ils vous sentent vraiment très très loin, quoi. En même temps, j'imagine qu'à cheval, on fait beaucoup de bruit aussi. Hein. Je pense que ça n'aide pas. Allez, cochise. Easy now. Allez, go! Ah, de temps en temps, on fait ça moins propre, hein, les gars, parce que... on a besoin. Voilà. Ah, du coup, la peau de biche, je peux quand même la charger ou pas? C'est une petite peau, ça doit le faire. Ouais. On a besoin et quand ça marche pas de la bonne façon, bah écoutez, on prend la mauvaise, hein. J'ai envie de dire. Decent hunt, girl. Hey, go. Hello there. Hello. Hey there, partner. Allez! Direction Valentine, les amis! Ah, regardez tous les lapins là qu'on a! Et en plus, j'ai utilisé. Deadly Eyes, là, je ne sais plus comment vous l'appelez déjà. Mon sang-froid pour pouvoir le tuer. Hein. Enfin, avoir les deux. On n'a pas fait ça propre, les gars, mais il y a des fois, encore une fois, il faut que je gagne quelques dollars. Si je veux m'acheter un fusil pour pouvoir chasser correctement, on n'a pas le choix. Il me faut les quelques dollars. Et on va aller voir le prix d'un fusil pour la chasse. On va aller à la ville, de toute façon, on va les vendre. C'est moi la ville. On va aller voir le prix d'un fusil. Oh, on a une pintade. J'essaye de me diriger sans utiliser la carte, hein, le plus possible quand je suis autour du camp, hein, maintenant. J'essaye, hein, en tout cas les amis, de faire au mieux. Pour l'instant ça marche. J'ai pas utilisé la carte depuis quelques temps et ça va. Sinon je bute l'armurier, oui. Est-ce que c'est possible du coup de buter l'armurier et de lui piquer ses flingues? Et puis
se servir dans l'armurerie. Parce que dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de buter l'armurier quelque part, une autre ville. Et puis d'y revenir plus tard, quoi. Une fois que l'affaire s'est tassée. Pourquoi pas? Ah, quand il reste plus que ça, les amis, on n'a pas le choix. Hein. Braquer les magasins, mais pour la caisse, pas leur stock. Ah ! Ce qui m'intéressait, moi, c'était le stock. Oui, c'est... Ouais, voilà, ça semble logique, hein. Hello there, mister. Hey ! T'as vu ça, l'ami ? J'ai chassé une belle proie. Hein. Combien tu vas m'en donner, l'ami ? $2.80. Oh. Il rachète ça que dalle, hein. This poor fellow been torn up. Drops the price, I'm afraid. Allez, on est à $69. On va aller voir le prix d'une arme. J'aurais pas dû acheter mon fusil pour petit gibier finalement. J'aurais continué de chasser avec avec mon arc, hein, pour le petit gibier. Mais bon, tant pis les gars, on a fait un choix. Sounds like Lady Gabrielle is making money on the side. Tranquille, ma belle, j'arrive. Allez les gars, on y va. Good to see you again, partner. Hey, what are you aiming for today? Old Crawford at Carmody Dell had a wagon stolen from his barn. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait comme... start with, mind you. Donc, il me faudrait quoi? Un fusil. C'est ça? Qu'est-ce qu'il me faudrait comme fusil dans l'idée, Diedan? Pour chasser efficacement les biches, par exemple. C'est ça qu'il me faut, là? Une Litchfield? C'est le Springfield, pourquoi? $120, waouh! Et en plus, on a toute l'historique de l'arme, c'est sympa. Le Litchfield, c'est une carabine. D'accord. Ok. $120, on n'y est pas les gars, il va falloir chasser. Et fusil rolling block. Eh ben, il va falloir chasser alors les gars. Fusil à répétition. Ok. Il va falloir qu'on chasse, les gars.
où tu fais de bonnes actions, le fait d'avoir un bon honneur permet d'avoir de meilleurs prix. Mais bon, dans l'immédiat, c'est l'argent dont je vais avoir besoin. Bah oui, je vais avoir besoin d'argent. Hein. C'est clair. Bah on a vu, hein, On va vérifier. $120. Ok. Plus les munitions, plus les à côté, quoi. Ouais, il nous faut de la thune. Ok. Merci, l'ami. À la prochaine. Ah, si seulement j'avais looté sur Strawberry, hein. J'aurais peut-être du coup réussi à avoir plus de thunes, mais bon. Ah, enfin, c'est comme ça. Alors, les amis, ici, on regarde. Alors, photographie de Black Bell. Who wants the paper? Just wanna get a drink. I'm parched. Ok. Grande dame, the gunslinger. The dynamite dowager. Okay. I need some money. I fought in the war. I fought for you. Mister. Billy Midnight. Wow. Willem Schnell. C'est l'homme qui a tué Rabbit Matthews. Okay. Et là, on a qui? Flaco Hernandez, The Terror of the Grizzlies. Il est recherché dans 8 états. Ok. Lui, il ressemble un peu à Mika, mais en moins beau encore. Emmen Granger. Ok. Interview refusée. Ok les gars. Je pourrais te dire pour que j'ai plus d'argent, mais ça risque le spoil. Bah non, alors faut... Non. Non, on va en trouver de l'argent. On va chasser, on va continuer de chasser. Il nous faut encore $70. Ah, ça fait 50... Allez, ça fait 20 proies à chasser. Peut-être des choses... de meilleure qualité aussi, des meilleures peaux, et puis il suffirait d'une belle peau. Une belle peau à 3, on va voir le trappeur, et puis on se fait $60 ou $50, et puis on n'est pas loin. Hello. Hello. Bon, je m'occupe de mon cheval aussi. Hold her up a minute there. Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive, l'ami? Como Driscoll told me expressly to shoot anyone I saw around here, but me, I'm my own man. There's something up with this one, I can tell. I ain't here to cause trouble. Whatever you come looking for ain't here. Clear these streets. Best believe. Well, let's hear it for common sense. Mm-hmm. Je pourrais après attaquer un train, attaquer une diligence, piller des gens, tuer des gens, hein. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. On va chasser, on prendra le temps qu'il faut pour chasser dans le prochain live. Et puis les amis, bah écoutez, on aura l'argent quand on pourra l'avoir. Hein. Et puis c'est tout. Il va falloir qu'on aille voir aussi notre ami Hernandez, Ravière. Ça commence à faire... je pense que dans le prochain live, on commencera par aller voir Ravière.
Les ruines, les bâtiments et tout ça, ça se fouille. Ah bon? Waouh, regardez ça. Doucement, ma belle. Doucement, doucement. C'est magnifique, là, le canyon. Oh, attendez. Oula! Je crois que j'ai vu un truc, les gars. Non, c'est pas celle-là. Regardez ça. On a deux rochers qui ressemblent pas mal à ça. Ça a l'air de ressembler pas mal à ça là-bas. Même si c'est peut-être pas exactement la même chose. Hein. On a le canyon, on a la ville à côté peut-être. Ça voudrait dire qu'il faut arriver par le dessus et descendre par là-bas. Yep. Ouais, ça ressemble bien à ça, les gars. Yep. Regardez, c'est ça. Le petit bâtiment, la montée et la descente là-bas. On va aller voir, les gars. Donc, il semble qu'il faille monter là. T'es un nouveau avec la chasse au trésor, l'environnement est un peu trompeur. Non mais là c'est ça, j'ai reconnu l'endroit. Ya, doucement, doucement, doucement. Oh, oh, oh. Reste là ma belle, je vais y aller à pied va. Ah, l'instinct, ça donne des indices. Oh. Wow. Ça, c'est pas de bol. Eh, je serais pas pensé, j'aurais pas pensé à venir là, en fait. J'ai eu chaud, hein. Cette arme est en mauvais état, d'accord, ok. On a un vieux campement tout abandonné là, ok. Donc si je comprends la map, on va jeter un œil les gars. Hein. Je crois qu'on chauffe là. Donc là, on est monté là-haut, ok, il faut descendre un peu plus bas, et c'est sur le côté. Ça voudrait dire qu'il faudrait descendre là, peut-être. Et là, on est à côté des deux pics rocheux, regardez ça. Je sais pas les gars. À moins qu'il faille descendre plus ici. Parce que je suis sûr d'être au bon endroit, hein. Ça c'est clair. Le rocher il a exactement la même tronche. Il faut peut-être aller, c'est à l'étage du bas là, mais je peux pas descendre, il va. On va se tuer là si on descend, non?
Ah oui, si on glisse là, on va se tuer, non? Wow! Je crois que je suis mal barré là, les gars. Je crois que si c'est pas une arnaque, une fausse carte. Ah, je suis pas passé où il faut. Bah, du coup, là, je suis foutu, je peux pas remonter. Si, on peut remonter. Ah, qu'est-ce qu'on a comme plante là? Ah, c'est quoi ici? Une carotte. Ah, du ginseng, ok. Finalement, ce serait là où il faut descendre. Ah oui, c'est vrai que c'est plus sur le devant. Tout à fait. Tu as raison. C'était sur le devant, hein, sur l'image. Exactement. Ah, je suis content, c'est que j'ai bien trouvé le bon objet quand même. Faut sauter là-bas. Wow. Peut-être remonter là. Continuez par ici. Waouh, ça craint là. Waouh. Ah bah oui, ça craint. On est mort. Mais c'était là, les gars, c'était là. Alors, je sais pas ce qu'il y a à y trouver et comment on y va, mais c'était là. Ah, bah c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux. Du coup, on a encore perdu. Où est-ce que je me retrouve, du coup, encore. À chaque fois qu'on meurt, on se retrouve n'importe où. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Et si on regarde la map, c'est bien ça. Et il faut bien descendre sur le devant, regardez, hein. On descend sur le devant, là où on était. Par contre, je dois aller, c'était pas loin, je pense, hein. Je pense que c'était vraiment pas loin. Parce que si on regarde en bas à droite, vous voyez, c'était sur cette petite corniche, là. Je devais avancer peut-être de 5 mètres de plus et j'y étais. Parce que là, on était bien descendu, on avait contourné. Mais j'ai pas réussi à... Bah voilà, on a glissé, chef. Alors, on ira pour la prochaine fois. On va aller se faire un petit camp, les gars. Maintenant qu'on a vu où c'était, on ira se le faire pour la prochaine fois. Ah, on peut pas être one life dans le jeu, c'est pas possible, là, voilà. Non, c'est trop compliqué avec les combats. Une aventure full RP One Life, ce serait pas possible. Enfin, je pense pas, même vous, je pense que vous êtes déjà mort. Ne serait-ce que là, en glissant, quoi. Mais c'est pas grave, on a trouvé l'endroit, c'est le principal, les gars. Yeah. Wow. Easy. On a trouvé l'endroit, moi, ça me va. Yeah. Jour, ce sera mieux, exactement. Hey, who's there? Arthur, dumbass. Good, you're back in one piece. Et en plus, pour une fois, je ramène rien à bouffer.
Hey, Arthur. Miss Karen, all good? Too good. I'd like the chance to shoot a fella and not feel bad about it. Somehow that doesn't surprise me. Stay alert. There you go. Nobody's beauty. Morgan. You know, Dutch. When I was younger, I'd try and rob anyone, anything. If it weren't nailed down, I'd take it. If you had anything, I'd try and take it from you. Allez, vous êtes où, les gars? Vous êtes moqués, les gars, c'est pas sympa. Hein. J'ai toujours rien mangé, faut que je cuisine. Et on va cuisiner tout ce qu'on a comme pièce de viande. Et puis on va manger de façon plus régulière, les gars. Allez, les amis, on va se laisser ici pour ce soir. Il est 2h du matin, ça nous fait plus de 3 heures de live. La fatigue me gagne. Comme elle a gagné Arthur. D'ailleurs, il est tombé à moitié. Hein. C'est pas pour rien. Alors, les amis, bah, écoutez, merci d'avoir été avec moi encore ce soir. Donc, je suis content. On a quand même avancé deux quêtes. On a été sauvé Mika. On a retrouvé Mary, l'ancienne demoiselle. Hein, voilà. Et puis, on a accepté de l'aider. Voilà, d'aider son frère. Voilà. On a fait pas mal de chasses. Bon, pas toujours... la plus efficace possible, mais on a essayé de faire au mieux. On va essayer de gagner un peu d'argent, et c'est histoire d'avoir un fusil. Quand on aura un bon fusil pour la chasse, les amis, on partira chasser 2, 3 jours, 4 jours d'affilée peut-être. Si on le peut, parce qu'encore une fois, on peut transporter qu'un seul animal à la fois. Donc on verra, peut-être qu'on prendra quelques pots, et puis on ramènera une plus grosse pièce pour avoir de la viande aussi. On verra comment on va gérer ça. Mais ouais, non, ça me semble très très bien. En tout cas, on avance. J'ai encore appris de nouvelles mécaniques sur le jeu, comme le fait de tirer en l'air, pour peut-être effrayer les oiseaux. On a vu le prix des fusils, enfin, non, on a bien avancé encore. Donc, merci, si le live vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. Voilà. Que dire de plus ? Bah, écoutez, merci à tous encore une fois d'être présents encore pour vivre avec moi cette aventure. Merci de vos précieux conseils, parce que finalement, bah, c'est grâce à vous que j'avance tranquillement dans de bonnes dispositions. Puisque vous me donnez les petits conseils qui me manquent à chaque fois, sans spoil, donc ça c'est vraiment très très bien. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également sur la vidéo. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Donc demain après-midi, je ne serai pas en live, c'est sûr. Donc j'ai pas beaucoup de temps en ce moment entre le boulot et la vie de famille, je suis débordé. Donc l'après-midi, j'ai pas le temps de faire de pause en fait. Du coup, j'ai pas mon petit café, vous n'avez pas le live. Je reviendrai en live l'après-midi dès que je pourrai. Et puis, bah quoi dire de plus ? Demain soir, donc généralement, on va dire vers 22h30, en ce moment, je suis assez en avance. On sera à nouveau sur Red Dead Redemption 2, et puis on essaiera de poursuivre l'aventure. Merci à tous les amis, bonne nuit tout le monde, ciao, ciao.